إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Comme vous le savez, les 10 derniers jours de ce mois béni du Ramadan ont été entamés. Ces 10 derniers jours où il est demandé aux musulmans d'accentuer ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Que les adorations soient de jour ou qu'elles soient de nuit, ainsi était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les 10 derniers jours du Ramadan, comme nous le rapporte Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 derniers jours du Ramadan entraient, serrait sa ceinture, réveillait ses proches et priait toute la nuit, et veillait toute la nuit sallallahu alayhi wa sallam. Et il était rapporté dans un autre hadith authentique, dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du Ramadan. Il ordonnait à ses compagnons radiallahu anhum de lui construire un abri dans sa mosquée sacrée afin qu'il s'isole des gens et ne se consacre qu'à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme lecture du Coran, comme rappel d'Allah Azza wa Jal, comme prière, comme méditation sur la création du Seigneur des mondes. Il est demandé aux musulmans, durant ces 10 derniers jours, d'accentuer ces adorations, comme je vous l'ai dit, de jour comme de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai lorsqu'il nous a informé dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqoumu as-sa'a hatta yataqarrabu az-zaman, que l'heure n'arrivera que lorsque le temps sera rétréci. Hatta yakuna as-sanatu hatta takuna as-sanatu kash-shahr, jusqu'à ce que l'année ne passe comme un mois et qu'un mois ne passe comme une semaine et qu'une semaine ne passe comme un jour et qu'un jour ne passe comme le temps qui suffit à un bout de bois de prendre feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, et l'on se rend compte à notre époque comment le temps passe vite. On se rend compte comment le temps passe vite. On se rappelle tous du premier jour que l'on a jeûné de ce mois, et nous voilà bientôt dans les 10 derniers jours ou dans les derniers jours de ce mois béni, un mois qui hier, que l'on a rencontré hier et que l'on quittera dans très peu de jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accentuer nos adorations et à profiter de ce mois avant qu'il ne s'en aille et qu'il ne nous laisse bredouille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accentuait ses adorations durant ces 10 derniers jours afin de coïncider et d'être en état d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala
pendant la nuit bénie, qui est appelée la nuit du destin. Une nuit dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran, lorsqu'il dit, Azza wa Jal, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran selon le sens إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Nous l'avons fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala utilise le pronom personnel au pluriel, lorsqu'il dit « nous », en parlant de lui, Azza wa Jal, pour montrer à quel point Allah Azza wa Jal est immense et que rien n'est plus immense que lui. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, parle en utilisant le pronom personnel « nous » dans ce verset, mais dans beaucoup d'autres, lorsqu'il dit, par exemple, « Inna anzanna dhikra » وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le protégeons. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui en disant nous pour montrer son immensité et montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus et est plus grand que toute chose. Mais il utilise aussi Azza wa Jal, le terme « je » pour montrer qu'il est le seul et unique. Lorsqu'il a dit à Moussa alayhi salam, « Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni »« Je suis moi, Allah, point de divinité, point de vraie divinité qui mérite d'être adoré que moi, fa'budni, adore-moi, wa aqimi salata li dhikri » et accomplit la prière pour mon rappel. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ici le pronom « je » pour montrer qu'il est l'unique, le seul qui mérite d'être adoré sans autre créature ou sans toute autre chose. Nous l'avons fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset du Coran, et ceci à l'unanimité des savants. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran durant cette nuit appelée Laylatul Qadr, la nuit du destin. Que signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait descendre le Coran durant cette nuit? Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation de son livre à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant cette nuit bénie. Puis la révélation s'est étalée durant la période de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit bénie, appelée Laylatul Qadr, est une nuit parmi le mois du Ramadan. Est une nuit du mois du Ramadan, car certains pensent que Laylatul Qadr est une nuit qui ne fait pas partie du mois du Ramadan. Et la preuve que cette nuit appartient bel et bien au mois du Ramadan, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu. Ce verset à lui seul ne nous prouve pas que Laylatul Qadr, que la nuit du destin, fait partie du Ramadan. Ce n'est qu'en rassemblant ce verset avec l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets
Le premier, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a révélé le Coran pendant le mois du Ramadan, et l'autre, où il a fait descendre le Coran durant la nuit du destin, ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets que l'on déduit que Laylatul Qadr fait partie du mois du Ramadan. Et ce raisonnement est utilisé dans d'autres versets, dans d'autres domaines, comme par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا » et son sevrage et sa grossesse dure 30 mois. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ et les mères allaitent leurs enfants pendant 2 années complètes. 2 années complètes qui sont équivalentes à 24 mois. Et les savants en ont déduit, en rassemblant ces deux versets, que la durée minimum de grossesse est de 6 mois. Car dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la durée de la grossesse et du sevrage, c'est-à-dire de l'allaitement, et l'a défini comme étant de 30 mois. Et dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala a défini la période de sevrage comme étant de 2 ans, autrement dit 24 mois. On en déduit donc que la durée minimum de grossesse qui permet à un enfant d'être complet est de 6 mois. Nous l'avons fait descendre durant cette nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il y a 2 explications des savants concernant le terme al-qadr. Certains savants disent que cela signifie la noblesse, la grande valeur, l'illustration de cette nuit. Lorsque l'on dit Rajulun ذو قدر عظيم, c'est-à-dire un homme d'une grande noblesse, un homme illustre. Et d'autres savants ont expliqué Al-Qadr comme étant la nuit dans laquelle la destinée de l'année suivante est décidée et écrite. La preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundhirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens dans un autre verset, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie et nous sommes des avertisseurs. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit, tout est déballé, tout est montré, c'est-à-dire la destinée de toute personne durant l'année suivante. Ainsi ont expliqué les savants le terme Al-Qadr, c'est-à-dire la nuit dans laquelle la destinée annuelle est écrite. Car l'écriture de la destinée est de 3 sortes. Il y a la première écriture qui a eu lieu avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. Où Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans les planches préservées, fil lawh al-mahfouz. Et ce qui est écrit dans ces planches préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut être changé. Il y a la deuxième sorte d'écriture qui est l'écriture qui a lieu une fois dans la vie. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, au bout du 4e mois, où Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange afin qu'il insuffle l'âme, et c'est à ce moment que 4 choses sont écrites. Il est écrit l'âge qu'aura cet enfant, les actes que fera cet enfant. Il sera écrit également s'il sera
heureux ou malheureux. Et la quatrième chose est sa pourvoyance. Ceci est l'écriture qui a eu lieu une fois dans la vie. Et il y a l'écriture annuelle qui, elle, a lieu durant la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith au jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, le hadith de Wathil ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les feuilles d'Ibrahim sont descendues la première nuit du Ramadan. La Torah est descendue le sixième jour du Ramadan. L'évangile est descendu le treizième jour du Ramadan. Et Al-Furqan, qui est un des noms du Coran, est descendu le 24e jour du Ramadan. Autrement dit, la 25e nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ses livres dans un seul et même mois, qui est ce mois béni du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit appelée Al-Qadr, la nuit du destin. Puis Allah subhanahu wa ta'ala parle à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: wa ma adaraka ma laylatul qadr, et qui te dira quelle est cette nuit du destin? Qui te dira, ô Muhammad, quelle est la valeur et quelle est la noblesse et quelle est l'importance de cette nuit du destin? Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette façon pour montrer l'importance de la chose, comme il a utilisé Allah azza wa jal lorsqu'il parle du jour du jugement: wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin, et quel est le jour de la rétribution, et qui te dira au sujet du jour de la rétribution? Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, l'inévitable, qu'est-ce que l'inévitable? Qui te parlera au sujet de l'inévitable? Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah, le fracas, qu'est-ce que le fracas? Qui te dira au sujet du fracas? Allah subhanahu wa ta'ala parle ainsi à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance du jour du jugement et de montrer à quel point c'est un jour effrayant, un jour où tout se décide. Il en a fait de même pour cette nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr, et qui te dira au sujet de cette nuit du destin? Puis Allah subhanahu wa ta'ala répond et dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Laylatul qadri khayrun min alf shahr, cette nuit du destin est meilleure que mille mois, elle est plus méritoire que mille mois. Mille mois ne la contenant pas, mille mois ne contenant pas cette nuit du destin. Et les savants ont expliqué cela en disant que cette nuit est meilleure que mille mois, c'est-à-dire que les actes que tu accomplis durant cette nuit bénie, tu auras la récompense de ces actes comme si tu les avais faits pendant une durée de mille mois. Mille mois qui correspondent à peu près 83 années. Sache, chers frères et chères sœurs, que si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, si tu pries toute la nuit durant cette nuit bénie, sache que tu auras la récompense d'une prière nocturne que tu auras faite pendant 83 années. 83 années que tu n'atteindras sûrement pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, a dit: « A'maru ummati
بين الستين والسبعين وأقلهم ما يجوز ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, l'âge de ma communauté oscille entre 60 et 70 ans, et très peu sont ceux qui dépassent cela. Très peu parmi la, dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rares sont les personnes qui vivront au-dessus de 70 ans. Prends donc en considération cela, et que cela soit une motivation pour toi afin d'accentuer tes adorations et d'essayer de coïncider avec la nuit du destin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce privilège. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans sourate Al-Qadr, تنزل الملائكة والروح فيها. Après nous avoir informé que cette nuit était meilleure que mille mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre un autre bienfait de cette nuit et nous informe que dans cette nuit, les anges descendent. Car les anges sont des habitants du ciel. Et durant cette nuit, ils descendent petit à petit jusqu'à remplir cette terre. Et la preuve que les anges sont les habitants du ciel, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أطت السماء وحق لها أن طأت. Les cieux sont lourds et ils ont raison d'être lourds. Cela est normal que les cieux soient lourds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique la raison. Il nous dit, il n'y a pas dans les cieux un endroit équivalent à quatre doigts sans qu'il n'y ait un ange, son front posé par terre, prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont donc des habitants des cieux et ils descendent durant cette nuit bénie. Et les anges, lorsqu'ils descendent, apportent avec eux miséricorde et bénédiction. Les endroits habités par les anges sont des endroits accompagnés sans aucun doute de miséricorde et de bénédiction. De même que les endroits où ne sont pas présents les anges sont des endroits mauvais. Et la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe que les anges n'entrent pas dans une maison ou dans une pièce contenant une image ou bien alors un chien. تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les anges descendent, mais que l'esprit aussi descend. Et l'esprit n'est autre que Jibril alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité séparément des anges pour montrer son importance. L'importance qu'a cet ange, Jibril alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ainsi dans le Coran. Il cite beaucoup Jibril alayhi salam. Seul, lorsqu'il dit par exemple قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dit, celui qui est l'ennemi de Jibril, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, celui qui est l'ennemi de Jibril, sache que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à ton cœur, dans ton cœur, c'est-à-dire le Coran. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Par la permission d'Allah. وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Un livre qui vient rendre véridique et vient affirmer les livres qui l'ont précédé. وَهُدَى. Et c'est une guidée. وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Et une bonne annonce. Une annonce d'une bonne nouvelle pour les croyants. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset suivant, مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَائِيلَ.
Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset suivant, et celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses envoyés, de Jibril et de Mikaïl. Allah subhanahu wa ta'ala a encore cité Jibril alayhi salam séparément des autres anges, tout ceci pour montrer la grande importance qu'il a auprès de lui. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. Ces anges ainsi que Jibril alayhi salam descendent durant cette nuit bénie, بإذن ربهم, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. بإذن ربهم من كل أمر. Ils descendent pour tout ordre ou pour toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas cité dans ce verset la nature de ces choses. La nature de ces choses avec laquelle descendent les anges et Jibril alayhi salam. Mais nul doute que lorsque des anges descendent avec une chose, il n'y a nul doute que ces choses ne sont plus que bien et sont bénédiction et miséricorde pour les croyants. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette nuit est un salut. Cette nuit est un salut. Elle préserve le croyant du mal et des châtiments qu'il pourrait faire en encourant des péchés. Car durant cette nuit, les diables sont enchaînés. Le diable est dépourvu de pouvoir et d'influence envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc consacrés entièrement à son adoration et ils sont pardonnés de leurs péchés. Ainsi ont expliqué les savants la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en définissant la nuit du destin comme étant un salut. C'est un salut pour les croyants qui, durant cette nuit, adorent Allah subhanahu wa ta'ala et se font pardonner leurs péchés. Hatta matla' al-fajr. Et ceci jusqu'à l'apparition de l'aube. La nuit du destin commence du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'aube. Lorsque l'aube apparaît, la nuit du destin disparaît. On en déduit donc de cette sourate Al-Qadr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié à la nuit du destin pour montrer son importance aussi. Les bienfaits de cette nuit sont comme nous l'avons vu. Tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran durant celle-ci. Ce qui nous montre aussi les bienfaits de cette nuit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insisté lorsqu'il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui te dira au sujet de cette nuit du destin? Les bienfaits de cette nuit sont qu'elle est meilleure que 1000 mois. Les bienfaits de cette nuit sont que les anges y descendent en apportant avec eux miséricorde et bénédiction. Les bienfaits de cette nuit sont que c'est un salut pour les musulmans et les croyants. Ce qui montre aussi les bienfaits de cette nuit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une sourate, a dédié à cette nuit une sourate de son livre saint, de sa parole divine, une parole qui est lue et méditée et le sera jusqu'à la fin du monde. Et c'est également une nuit bénie. إنها ليلة مباركة كما دفن الله سبحانه وتعالى dans l'autre verset إن أنزلناه في ليلة مباركة. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Quant à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, البخاري مسلم rapporte selon Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui prie la nuit du destin
en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. Et dans un autre hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le mois du Ramadan est entré, inna hadha ash-shahr qad hadarakum wa fihi laylatun khayrun min alf shahr. Ce mois qui vient d'être entamé est un mois comportant une nuit meilleure que mille mois. Man hurimaha faqad hurima al-khayr kullah. Celui qui est privé de cette nuit est privé de tout bien. وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ. Et n'est privé de cette nuit qu'une personne dépourvue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de faire partie de ces personnes dépourvues du bien de cette nuit bénie. Quand est-ce que cette nuit du destin a-t-elle lieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, nous donne des indices. Comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et dans un autre hadith, toujours de Aïcha radiallahu anha, et toujours rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: taharraw laylat al-qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Recherchez la nuit du destin et demandez-la durant les 10 derniers jours impairs du mois du Ramadan. Et dans le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhu, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: taharraw laylat al-qadri fi sab' al-awakhir. Recherchez la nuit du destin durant les 7 derniers jours. Et dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez-la, c'est-à-dire la nuit du destin, durant les 10 derniers jours du Ramadan. Et si l'un d'entre vous est faible ou est incapable, alors qu'il ne cède pas les 7 derniers jours. Alors qu'il ne cède pas les 7 derniers jours. Et les savants se sont divergés ou ont divergé sur la définition du temps exact ou de la nuit exacte dans laquelle a lieu la nuit du destin. Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani a dit dans son livre Fathul Bari, livre où il explique Sahih al-Bukhari, où il cite plus de 40 avis des savants sur la détermination de la nuit du destin. Et les avis les plus forts, wallahu a'lam, sont au nombre de 2. Le premier avis, qui est soutenu par beaucoup de savants, est que la nuit du destin a lieu la 27e nuit. Que la nuit du destin a lieu la 27e nuit, car c'est ce qui a été le plus rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve aussi, c'est que Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, où il dit: je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité que lui, que cette nuit a lieu pendant le Ramadan, et je jure par Allah que je sais quelle est cette nuit. C'est la nuit dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier. C'est la nuit qui précède le matin du 27e jour. Et ces signes sont que le soleil se lève ce matin-là en étant blanc
et ne comportant pas de rayons solaires. Hadith rapporté par Muslim. Et le second avis, qui est l'avis de beaucoup de savants, parmi eux, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est que la nuit du destin n'est pas fixe, qu'elle se déplace au fur et à mesure des années durant les 10 derniers jours du Ramadan. Et la preuve, c'est que cet avis est le seul qui rassemble tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, que la 21e nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu en rêve la nuit du destin, et je me suis vu le matin de cette nuit dans de la boue et de l'eau. Et Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu a dit: et le matin de la 21e nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de Subh. Et ce matin-là, il a plu fortement. La mosquée était pleine d'eau. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu a dit: j'ai vu l'eau et la boue. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière et est sorti de la mosquée, j'ai vu de la boue sur son front et sur le bout de son nez. Et ceci était la 21e nuit. C'était le matin de la 21e nuit. Il y a dans ce hadith une preuve que la nuit du destin, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu au moins une fois la 21e nuit. Il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin durant la 23e nuit. Et il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin durant la 27e nuit. Et selon Muawiyah radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez-la, demandez-la, c'est-à-dire la nuit du destin, durant la 27e nuit. Et on a vu précédemment le hadith de Wathil ibn al-Asqa', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le Coran avait été révélé le 24e jour du Ramadan, autrement dit la 25e nuit. Et dans d'autres hadiths, il a été rapporté, comme cela a été authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: recherchez la nuit du destin durant la dernière nuit du Ramadan. Tous ces hadiths nous prouvent que la nuit du destin n'est pas une nuit fixe, et qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a eu lieu la 21e nuit, une autre année la 23e, une autre année la 25e, une autre année la 27e, une autre année la dernière. Cela prouve que ce n'est pas une nuit fixe et qu'elle se déplace au fur et à mesure des années. Et c'est l'avis qu'a soutenu Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mais il donne comme précision que la nuit dans laquelle tombe le plus souvent la nuit du destin est la 25e nuit. Et c'est pour cela que Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu a juré que c'était la 27e nuit, car elle tombait le plus souvent la 27e nuit. Il y a une chose qu'il faut savoir,
c'est que la nuit du destin ne tombe pas forcément les nuits impaires. Elles peuvent aussi tomber les nuits paires, comme l'a démontré Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il dit « La nuit du destin a lieu durant les 10 derniers jours du Ramadan. » Ainsi, il a été rapporté de façon authentique, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Quelle est, c'est-à-dire la nuit du destin, durant les 10 derniers jours du Ramadan ?» Et qu'elle fait partie des jours impairs ou des nuits impaires de celle-ci. Cela doit être compris lorsque l'on compte les nuits depuis le début du Ramadan. Lorsque l'on compte les nuits depuis le début du Ramadan, alors oui, il faut rechercher la nuit du destin, la 21e nuit, ou alors la 23e, ou alors la 25e, ou alors la 27e, ou alors la 29e. Mais la nuit du destin, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, peut aussi se calculer en comptant ce qui reste du Ramadan. Comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la nuit du destin a lieu lorsqu'il reste 9 nuits, ou bien 7, ou bien 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il reste. Et Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu a expliqué cela en disant lorsqu'il reste 9, cela signifie la 22e nuit. Lorsqu'il reste 7, cela signifie la 24e nuit. Et lorsqu'il reste 5, cela signifie la 26e nuit. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a démontré que la nuit du destin peut avoir lieu durant les nuits impaires ou durant les nuits paires, car le mois du Ramadan peut être de 30 ou de 29. S'il est de 29, alors les 9 dernières nuits restantes coïncidera avec la 21e. Et les 7 nuits restantes coïncidera avec la 23e. Et les 5 nuits restantes coïncidera avec la 25e. Mais lorsque le mois du Ramadan est de 30 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit recherchez-la lorsqu'il reste 9 nuits du Ramadan. Et lorsqu'un mois est de 30 jours et que l'on compte la nuit, la 9e nuit qu'il reste, elle tombe sur la 22e. Et la 7e nuit qui reste, elle tombe sur la 24e. Et la 5e nuit qui reste, elle tombe sur la 24e. Ainsi a démontré Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah que la nuit du destin peut avoir lieu durant les nuits impaires, mais elle peut aussi avoir lieu durant les nuits paires. Et il dit, rahimahullah ta'ala, puisque il en est ainsi, il est alors demandé aux croyants de rechercher la nuit du destin durant les 10 derniers jours, dans leur totalité. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recherchez-la durant les 10 derniers jours. Et la nuit du destin a lieu le plus souvent durant les 7 derniers jours. Et le plus souvent a lieu la 27e nuit, comme l'a juré Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut combler certains de ses serviteurs en leur montrant la nuit du destin dans leurs rêves, comme cela a été présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Umar, lorsqu'il informe que les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui racontaient leurs rêves. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ara ru'yakum qad tawata'at fil 'ashr al-awakhir, j'ai vu ou je constate que vos visions
que ce que vous avez vu durant vos rêves coïncide avec les 10 derniers jours. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّى فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. Que celui qui la recherche alors durant les 10 derniers jours. Et la meilleure des invocations à faire durant cette nuit bénie, c'est l'invocation qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radiallahu anha. Comme cela est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, un hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, où Aïcha radiallahu anha a dit: ô envoyé d'Allah, que dis-tu ou que dois-je faire si je prends connaissance de la nuit du destin? Que dois-je dire durant cette nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. Ô Allah, tu es clément et bon et généreux et tu aimes la clémence. Fais-moi alors partager ta clémence et fais-moi entrer dans ta clémence, c'est-à-dire dans ton pardon. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah. De même que cette nuit du destin est suivie de signes qui permet aux croyants de savoir si c'était bel et bien la nuit du destin ou non. Abu Aqrab radiallahu anhu a dit: je suis venu rendre visite à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et ce fait est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et authentifié par Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah. Abu Aqrab a dit: je suis parti voir Abdullah ibn Mas'ud un matin du mois du Ramadan, et je l'ai trouvé sur le toit de sa maison assis, et nous l'avons entendu dire: Allah a dit vrai et son envoyé a transmis. Nous lui avons dit: nous t'avons entendu dire, Allah a dit vrai et son envoyé a transmis. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le plus de connaissances religieuses, qui avait le mieux compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la nuit du destin a lieu durant la moitié des 7 derniers jours du Ramadan, et le soleil se lèvera le matin ou ce matin-là en étant pur, net, sans rayon autour de lui. فَنَظَرْتُهَا فَوَجَدْتُهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَسَلَّمُ. Et j'ai vu le soleil et j'ai constaté qu'il était comme nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes donc de la nuit du destin, c'est que le matin qui la suit, le soleil se lève en étant net, n'étant pas recouvert de rayons autour de lui, comme cela a été rapporté dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comparable à une pleine lune qui est nette, dont les contours sont bien définis. Et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laylatul qadri laylatun samhatun talqa. Que la nuit du destin est une nuit bénie, une nuit douce. « La harra wa la barida » Elle n'est ni chaude, ni froide. « Tusbihu shamsu sabihataha da'ifatun hamra » Et le soleil, lorsqu'il se lèvera ce jour, ne sera pas illuminé de façon forte, mais sa luminosité sera faible, et il laissera apparaître une couleur rougeâtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la nuit du destin est une nuit douce, qui n'est ni froide ni chaude, et que le soleil, lorsqu'il se lèvera le lendemain, ne sera pas d'une grande luminosité,
et qu'il laissera apparaître une couleur rougeâtre. Ainsi sont les signes qui permettent aux croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas comblé de bienfaits en lui montrant la nuit du destin dans son rêve. Il reste un autre moyen de savoir et de connaître cette nuit ou de connaître le lendemain de cette nuit en regardant le soleil lorsqu'il se lève et de constater qu'il est pur, net et que ses contours sont bien définis. Ainsi est la nuit du destin, une nuit de grand mérite, une nuit qui est unique dans l'année. Et si Allah subhanahu wa ta'ala et si son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait demandé de rechercher cette nuit durant tout le mois du Ramadan, cela en vaudrait la peine.